kayo nasepela na yo nalinga kayo e Yesu nanga nasepela na yo na motema nangai nalinga kayo nasepela na yo nalinga kayo Yesu nasepela na yo na motema nanga toka bwana teo totika na teo toka bwana teo totika na teo ata na pasi ata e la bisengo nalinga kayo nasepela na yo nalinga kayo Yesu nasepela na yo na molimo nanga toka bwana teo totika na teo toka bwana teo totika na teo molinga mi malamwe molinga mi nanga alleluya oh Yoshua je t'aime alinga kayo nasepela nayo alinga kayo nasepela nayo na molimo nanga toka bwana teo totika na teo toka bwana teo Yesu totika na teo mwana na nzambe mwana na nzambe oh, 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 oh. Je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime Seigneur de tout mon cœur je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Alléluia. Je t'aime. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus, afin quiconque croit en lui n'aimerait pas qui est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin quiconque croit en lui n'aimerait pas qui est la vie éternelle. Oh, l'amour est de Dieu, l'amour est de Dieu, qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. L'amour est de Dieu, l'amour est de Dieu, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Lui qui n'a point commis le péché, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, quel amour! Sur la croix,
Jésus a tant souffert sur la croix. Il a tant souffert, il était blessé à ma place. Alléluia. Merci papa. Sur la croix, Jésus a tant souffert. Sur la croix, il a tant souffert. Il était cloué à ma place. Il était fragilé à ma place. Il était supplicié à ma place. Porta la couronne d'épines à ma place. Il était percé les côtés à ma place. Alla jusqu'à la mort à ma place. Oh, quel amour! Quel amour! Quel amour! Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour nous sauver, afin quiconque croit en lui n'aimerait pas, qui est la vie éternelle. Pourquoi mon frère demeurais-tu dans les péchés? Pourquoi ma sœur demeure encore dans les mâles? Christ était mort pour tes péchés. Christ était mort pour tes péchés. Lui qui n'a point commis les péchés, les châtiments qui nous donnaient la paix est tombé sur lui. Oh, quel amour! Oh, l'amour est de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour est de Dieu, l'amour est de Dieu, il a envoyé son Fils unique pour vous sauver. Oh, l'amour est de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour est de Dieu. L'amour de Dieu, il a donné son Fils unique pour nos péchés. Il a donné son Fils unique pour nos péchés. Alléluia. 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 Ok, mes bien-aimés, prenons nos Bibles et nos calepins. Beloved, let's take our Bible and notes. Voilà, nous sommes en train de partager sur le même sujet auquel nous avons commencé il y a déjà quelques jours sur les armes de Dieu. We are sharing the same subject about the weapon of God. Alors, nous sommes attelés sur la ceinture. We are teaching the belt. Nous sommes en train d'expliquer, de dire que le diable n'a pas la ceinture. We are saying that the devil does not possess the belt. Le diable aussi est équipé de toutes les armes décrites dans l'épître aux Éphésiens chapitre 6, mais il n'a pas une seule arme qu'on appelle les ceintures. La ceinture. The devil owns the weapons mentioned in Ephesians chapter 6. Except the belt. Et nous avions expliqué la ceinture, mes bien-aimés, selon les Écritures, comme la justice. We explained the belt as justice. Nous avions aussi expliqué la ceinture comme la vérité. As also the truth. Nous avions aussi expliqué la ceinture comme la force. And also as strength. Et nous avions aussi expliqué la ceinture comme étant les vêtements qui couvrent
notre non nudité. And also as the clothes covering our nudity. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons toucher la ceinture comme la fidélité. Today we will speak about the belt as fidelity. Voilà. Mais je ferai une chute libre par rapport à ce qu'on avait vu hier et je vais compléter quelque chose. Je vais mélanger du coup avec la fidélité, puis nous allons tirer une leçon spirituelle pour pouvoir être édifiés aujourd'hui. I'll make a summary and continue for the fidelity. Voilà. Alors, hier, on avait expliqué la ceinture comme comme les vêtements. Yesterday we saw clothes, a belt as clothes. Parce que c'est la ceinture qui couvre notre nudité. Because the belt is covering our nudity. Et le critique qui nous soutient de dire que la ceinture est un vêtement, c'est le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 7. Genesis chapter 3, verse 7, is explaining this. Parce que on a vu Adam lorsque Adam et sa femme ont découvert qu'ils étaient nus. La Bible dit ils ont confectionné de ceintures pour pouvoir se couvrir. Because we read that when Adam and Eve discovered they were nude, they created belts. Donc vous comprenez que le mouvement Adam est en train de faire ici est un mouvement prophétique. So this was a prophetical actions Adam made. Ils se sont couverts, mes bien-aimés, des feuilles de figuier. Je reviendrai là-dessus pour expliquer aussi quelque chose sur le plan révélationnel. They used fig leaves to cover themselves. Parce qu'il y avait plusieurs arbres dans la forêt, et ils ont préféré de pouvoir confectionner des ceintures à l'aide des feuilles de figuier. Il y a un pourquoi. We'll explain this in the Revelation. There were many trees, but they decided to use fig leaves in order to build. Et nous avions expliqué que cette ceinture-là n'a rien à voir avec les ceintures que nous utilisons, mes bien-aimés, sur la taille. We explained that this belt is very different from the one we are wearing on our clothes. Parce que cette écriture, si on donne ça aux intellectuels de ce monde, ils diront qu'il y a une erreur d'orthographe et les gens qui ont écrit ont commis l'erreur. Ce n'est pas l'erreur, ce mouvement-là est prophétique. Et c'est comme ça que ça s'est traduit dans pas mal de versions de la Bible. Some people will say it's a mistake of translations, but this is not a mistake. We will explain this. C'est pour cela qu'on lit la Bible, mes bien-aimés, avec l'aide de l'Esprit. Parce que sans l'aide du Saint-Esprit, mes bien-aimés, vous n'allez pas comprendre, en fait, les Écritures de la parole de Dieu. That's why we have to read the Bible with the Holy Spirit. Otherwise, you will not be able to understand what is written in the Bible. Donc, vous comprenez que cette ceinture qui couvre la nudité, ce n'est pas la ceinture physique. So, you can guess that this is not the physical belt. Cette ceinture, c'est tout un vêtement que Adam avait confectionné parce que Adam était un prophète. This belt is not a classical belt Adam built because he was a prophet. À titre d'information, mes bien-aimés, Adam, qui est notre parent à tous, mes bien-aimés, est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Adam is the image of our Lord Jesus Christ. Selon quelle écriture? According to which scripture? Selon 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45, vous descendez. Vous verrez ça, c'est écrit là-bas. According to 1 Corinthians chapter 15, c'est ça mon frère? Chapitre 15, exactement. 15, yes. Donc, il est l'image du Seigneur Jésus-Christ. So, Adam is the image of the Lord Jesus Christ. Donc, ce mouvement, mes bien-aimés,
vous ne pouvez pas les prendre à la légère. Tout ce qu'Ada est en train de poser comme acte, mes bien-aimés, il y a un pourquoi, c'est prophétique. That's why this movement is a prophetical action, this action. Yeah. Parce que regardez déjà, Adam n'était pas né d'une femme. Donc il est sorti comme ça. C'est pour cela qu'il est l'image de Jésus-Christ. C'est Dieu qui l'a créé. Donc le premier être vivant sur la terre, créé par Dieu qui n'était pas né d'une femme, c'est lui. Because the first one also created was Adam. He was not from a woman. That's why he is the very first one. So he is, it's our Lord himself. The image of God. Il parlait de bouche à l'oreille avec Dieu. And he was also able to speak directly to God. Il n'y avait pas un interprète qui interprétait Adam et Dieu. Non, il n'y avait pas. Il parlait de bouche à l'oreille. There were nobody in the middle to make the... Donc Adam, il est vraiment enfant de Dieu, né comme ça. Le fruit des entrailles de Dieu. That's why we can see that Adam is the son of God. Et il parlait la langue des anges avec Dieu. Il ne parlait pas la langue que nous parlons, les Français, Lingala. Non, il ne parlait pas tout ça. Il parlait la langue des anges avec Dieu. He was speaking angel's tongue with God. Si vous voulez comprendre ça, vous pouvez lire, alléluia, ça me fait de la joie. Vous pouvez lire Genèse chapitre 11 à partir du premier verset, vous allez comprendre. Donc, tous les gens qui ont vécu avant Genèse 11, hein, vous allez voir que les gens-là parlaient la langue des anges. Il n'y avait pas toutes les langues que nous avons qui nous compliquent un peu la vie comme ça. Le moindre comme ça, ceux qui veillent avec des articles, avec des points de ponctuation, ils disent, eh, voilà, il a commis l'erreur. Avant, il n'y avait pas tout ça, là, toutes les complications. Là. Une seule langue, la langue des anges. You can read this in Genesis chapter 11. In the past, everything was very easy, only one language. Et Dieu se communiquait avec Adam comme ça. And God and Adam were communicating thanks to this same language. Et vous comprenez que même tout ce qu'il posait comme acte, mes bien-aimés, il y a un pourquoi. Each action they made, there is always an explanation. Si vous lisez bien le livre de Genèse, vous allez voir que tous ces livres, c'est-à-dire du premier chapitre jusqu'à la fin, c'est un livre en fait prophétique. Genesis is a prophetic book from the beginning to the end. Parce que c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux que nous retrouvons dans ce monde. Because Adam gave the name of every animal we can find in this world. Nous avons combien d'espèces d'animaux, mes bien-aimés, dans ce monde? C'est Adam qui les avait surnommés. Imaginez. How many species of animals we have in this world? Adam gave them the name. Les lézards, donc c'est-à-dire les animaux, les animaux de la forêt, tous ceux qui sont dans des eaux, donc tous ceux qui se promènent dans l'air, c'est Adam qui les a surnommés. So animals of the forest, lizards, even in the sky, Adam named them. C'est lui qui a donné à sa femme le nom d'Ève. He gave also the name to his wife. Donc il était un prophète. He was a prophet. Il pouvait appeler les lions, viens ici. Les lions écoutent et les lions viennent. He could also call the animal and they will obey to him. Voilà pourquoi le diable n'a pas pu faire chuter Adam, mais il est passé par sa femme. That's why the devil was not able to overcome Satan. That's why he used Eve to reach his goal. Voilà pourquoi Adam est comparé comme l'image du Seigneur Jésus-Christ, selon l'écriture que je vous ai donnée tout à l'heure. That's why Adam is considered as the image of our Lord Jesus Christ. Comme Adam avait surnommé sa femme le nom d'Ève, de la même manière, Christ a surnommé à sa femme le nom de l'Église. As Adam named his wife Eve, Jesus Christ named his wife the Church.
Alors, Adam ici va confectionner un vêtement lorsqu'elle se sent découvert qu'elle était tout nue. Et l'idée est venue, comme il était prophète, il dit, bon, il y a plusieurs arbres ici, moi je vais confectionner un vêtement pour pouvoir couvrir ma dignité et celle de ma femme. Alors, je vais récupérer quelle feuille? Il récupère les feuilles des figuiers. And Adam considered the trees around him and used fig leaves in order to build the belt to cover them. Avant d'expliquer pourquoi Adam avait récupéré les feuilles des figuiers pour confectionner les vêtements que j'explique, la ceinture, nous allons d'abord expliquer d'abord la nudité encore un tout petit peu et puis nous allons toucher là-bas. Before explaining this, we will explain the nudity. Nous avions expliqué hier que la nudité, c'est l'image du péché. We explained yesterday that nudity is an image of sinning. Quand on est tout nu, mes bien-aimés, on est exposé à tout vent. When we are nude, we are exposed to any winds. Nous avions expliqué que la nudité, c'est une honte devant les gens. We explained also it's a shame in front of other people. Dans la nudité, il y a ce qu'on appelle la séduction. There is also seduction in nudity. La nudité attire, mais bien aimé, les regards de gens. Nudity is attracting the sight of and the vision of people. Plusieurs hommes dans la Bible ont été succombés parce qu'ils avaient vu tout simplement la nudité peut-être d'une femme ou d'un homme. Several people in the Bible felt down because they saw nudity of man of or woman. Vous ne trouverez jamais une femme qui est en train de faire la prostitution, mais bien aimée, avec une robe très longue comme ça. Non, elle n'existe pas. Toutes les femmes qui font la prostituée, elles s'exposent presque nues pour attirer les hommes vers elles. That's the same in this world. Prostitutes are almost nude to attract. De la même manière, quand on est nu sur le plan spirituel, cette nudité va séduire les démons pour pouvoir venir quoi? S'accoupler avec toi. So in the same way, in the spiritual level, demons will come to you. Et cette nudité que nous sommes en train d'expliquer sur le plan spirituel n'est rien d'autre que le péché. This nudity is the sinning. C'est le péché qui attire les démons, qui séduisent les démons de pouvoir venir loger les corps de l'être humain. So sinning is attracting demons in order to come into our life and body. Je crois que je ne vais pas entrer en détail pour citer chaque péché par son nom. Vous connaissez déjà le péché dont la Bible parle, selon Galates chapitre 5, verset 19. According to Galatians, quel chapitre, pardon mon frère? 5, 19. Chapter 5, verse 19. Donc, si vous êtes dans les péchés ou vous vivez dans les péchés, mes bien-aimés, sachez-le que vous êtes en train d'attirer les démons vers votre vie. If you are living in sins, you will attract demons in your life. Alors, mes bien-aimés, il faut couvrir ta nudité par la ceinture. Beloved, you have to cover your nudity thanks to the belt. Si tu ne veux pas que ton corps être logé par des démons, par les esprits impurs, il faut que tu couvres la honte de ta nudité qui attire les démons vers toi. If you don't want demons in your life, you have to cover your nudity. C'est très important. This is very important. Et cette ceinture qui peut couvrir ta nudité a un nom qu'on appelle Jésus-Christ. And this has a name, who is the Lord Jesus Christ? C'est-à-dire, cette ceinture ou ces vêtements aujourd'hui n'est rien d'autre que la vie de sainteté, la vie de sanctification, la crainte de nom du Seigneur. Sanctification life, meditation life, life in the fear of the name of the Lord, this is what we call.
Nous avions encore expliqué que le vêtement aussi donne de la valeur, donne la dignité. La dignité, en fait, ça donne la dignité, voilà. We explain also that clothes are explaining the dignity. Parce que quand quelqu'un s'expose nu, mes bien-aimés, c'est une honte, ça diminue un peu la valeur de la personne. Mais quand quelqu'un se couvre, se protège, mes bien-aimés, ça donne quand même de la valeur, ça donne un peu le respect à la personne. Because when someone is nude, this is bringing shame. But when somebody is covered, this is bringing dignity. Cela peut permettre aux gens de pouvoir aussi vous considérer. Parce qu'ils te voient vêtu, tu n'es pas ni. Vous respectez people, aussi. People will consider you, will respect you also due to this reason. Dieu ne considère pas tout le monde. God is not considering everyone. Dieu ne respecte pas tout le monde. God is not respecting anybody, everyone. C'est là que Dieu donne de la valeur, que Dieu considère dans sa vie. Ce sont les gens qui sont couverts par un vêtement que j'explique, Christ. God is considering the ones who are wearing clothes, which is our Lord Jesus Christ. Si vous êtes nu devant Dieu, le Seigneur ne te considérera jamais. If you are nude in front of God, the Lord will never consider you. Tu es une personne sans valeur aux yeux de Dieu et aux yeux de ses anges. You are a useless people in front of God and his angels. Ceux qui ont de la valeur aux yeux de Dieu, c'est ceux qui ont les vêtements, ceux qui couvrent leur nudité, ceux qui ont les vêtements. Ce sont des personnes qui ont de la dignité devant Dieu. The one who are wearing clothes have dignity and are considered by our God. Nous avions encore expliqué que le vêtement aussi protège notre corps contre les intempéries. We explain also that our clothes are protecting us during bad weather. Comme nous sommes là pleinement à l'automne, donc il commence à faire tellement froid. Mais bien aimé, si vous voulez seulement tomber malade, plus vite, seulement commencer à marcher nu, plutôt tout nu, hein, voilà, donc tu te déshabilles, se promener ou rester seulement sur votre balcon, tout nu, le matin jusqu'au soir, je crois que tu ne dormiras pas bien, tu vas te retrouver à l'hôpital. For example, if nowadays you go outside during winter, you will catch cold and fall ill. Donc, vous comprenez que les vêtements protègent le corps. That's why we can say that clothes are protecting the body. Or, quand on est ni, c'est-à-dire on est dans le péché, mes bien-aimés, tout ce qu'on lance dans le monde des ténèbres comme parole de malédiction, voilà, et comme un mauvais sort, tous les vents qui viennent du monde des ténèbres, si vous êtes ni, mes bien-aimés, cela ne peut pas vous échapper, ça va vous toucher au fait. When we are nude, everything from this world will affect us. Peut-être que vous n'êtes pas même le cible qu'on a ciblé dans le monde des ténèbres. On peut jeter peut-être une parole au hasard, un mauvais sort au hasard, une parole de malédiction au hasard. Mais du fait que toi tu es nu, ton corps n'est pas protégé, tu seras atteint. As your body is not protected, you will get reached. Je connais en Afrique une maladie qu'on appelait Sampese. There is in Africa a disease called Zambezi. Voilà. Cette maladie-là, c'est-à-dire, c'était un mauvais sort qu'on pouvait jeter ça même dans... C'est-à-dire, on peut jeter ça même dans la rue comme ça. Si toi, tu es, par exemple, innocent, tu marches là, tu peux être touché aussi par cette maladie. Mais ce n'était pas à toi qu'on avait préparé ça. Mais si tu passes là où on avait jeté ces mauvais sorts, parce que c'est un mauvais sort, là où on avait jeté ces mauvais sorts, tu peux être touché et ton corps peut commencer à, voilà,
à se décomposer, devenir, se décomposer en fait, parce qu'il y a des boutons qui coulent de liquide, un peu comme ça. This is a bad spell sent on someone. Et là, si vous allez maintenant vers les gens, les médecins traditionnels qui traitent ce type de maladie, ces gens-là sont aussi des personnes, la plupart des cas sont mystiques, qui ont double yeux. C'est-à-dire, quand tu les regardes, tu dis, bon, ce n'était pas à toi qu'on avait prévu cela, mais tu étais passé là où on avait jeté ça, c'est pour cela que tu y es atteint. C'est comme ça que, c'est ça ce qu'on a entendu souvent, voilà, aux gens qui guérissaient de ce genre de maladie. And the people who were able to solve this disease were saying this is coming from bad spell from evil on someone. Donc il y a beaucoup de soucis qui frappent certaines personnes, mais si vraiment vous priez Dieu, c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas préparé pour toi ou on avait lancé contre ta vie. Mais du fait que tu es nu, ton corps n'est pas, c'est-à-dire ton corps ici, je parle de ton âme, n'est pas couvert de ces vêtements que nous expliquons Jésus. Tu es touché par quelque chose qu'on n'avait pas lancé contre toi. If you're nude, you can even be reached by a evil bad spell sent on other people. Je peux prendre par exemple un exemple. Par exemple, prenons comme nous sommes en train d'aller vers la fin d'année ici. Bientôt là, les mondes vont célébrer toutes ces fêtes-là qui n'ont rien à voir avec des fêtes bibliques. Vous allez voir que le monde des ténèbres aussi, à des moments comme ceci, il crée aussi pas mal de choses. Il y a des accidents, ça et là. Vous allez voir que dans ces accidents-là, même il y a des innocents qui vont mourir, qui vont partir en sacrifice. During the celebration of this end of year, which are not in the Bible, we will be able to see some accidents or issues, and some people will be killed and given as sacrifice. Les innocents qui meurent là, ce sont des gens, la plupart des cas, qui n'ont pas de vêtements. Innocent people in this case are not wearing clothes. Mais bien aimé, les vêtements que nous expliquons, Christ protège votre âme contre tous les vents et marées qui peuvent venir du monde des ténèbres, mais bien aimé, qui peuvent circuler dans l'air. Mais bien aimé, ces vêtements-là nous protègent contre ces vents-là. Jesus Christ is our clothes that is protecting us in front of all these issues in our life. Il y a une écriture dans le livre de Matthieu où le Seigneur est en train d'expliquer deux types de maisons. There is scripture in Matthew's book. Il dit une maison était bâtie sur le roc et l'autre maison était bâtie sur le sable. There is one house built on the rock and another house built on the sand. Le Seigneur dit la maison qui était bâtie sur le sable, lorsque le vent était venu, la tempête était venue, le torrent était venu, cette maison-là n'avait pas pu résister contre toutes ces problématiques, était détruite. So the house built on the sand was not able to resist to the bad weather. Mais la maison qui était bâtie sur le roc, lorsqu'il y a eu de vent, lorsqu'il y a eu des tempêtes, cette maison-là était résistée et n'était pas tombée. And the house built on the rock, on the contrary, was able to resist. C'était une parabole. This was a parable. Mais la maison, les maisons là où le Seigneur parlait là, si vous lisez le texte, Hébreux 6, 3, la maison c'est nous. If you read Hebrew chapter 6, verse 3, you can conclude that this house is us. Et les vents, les tempêtes, tout ça, c'est tout ce que le diable souffle dans le monde des ténèbres. Si vous n'êtes pas battu sur les rocs ici, vous connaissez déjà les rocs, non? C'est Jésus. C'est-à-dire, c'est lui la ceinture, c'est lui les vêtements. Si vous n'êtes pas posé sur lui, si vous n'êtes pas protégé par lui, ces vents-là va vous toucher, va vous écraser, mes bien-aimés.
and the wind is Satan, and all his attempts in our life, creating issues with his servitors. That's why you have to be on the rock with Jesus Christ. Nous devons protéger nos nudités, mes bien-aimés. We have to protect our nudity, beloved. Par les vêtements de la sainteté. Thanks to clothes of sanctification. Par les vêtements de la crainte de notre Seigneur. Clothes of the fear of the name of the Lord. Demeurez toujours dans le Seigneur. Stay always attached to the Lord. Cela va nous protéger, mes bien-aimés, contre les malédictions et les mauvais sorts, mes bien-aimés, qui peuvent venir des mondes des ténèbres. This will protect us. Ici, vous voyez que Adam, il a pris les feuilles des figuiers. Ici, suivez-moi très bien, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Je vais toucher quelques portions de révélation. Montons ensemble, s'il vous plaît. Des fois, on descend, des fois, on monte. Hein, donc, et cette habitude, parce que la parole de Dieu a plusieurs couleurs, s'il vous plaît. So, be careful. We will explain now the word of God. Adam va récupérer les feuilles des figuiers. Adam will use fig leaves. Mais maintenant, c'est au travers de ces feuilles que Adam va confectionner, mes bien-aimés, le vêtement pour pouvoir couvrir sa nudité. Adam will use these leaves in order to build the clothes who will protect him from nudity. Remarquez ces mouvements. Suivez-moi ici très bien, mes bien-aimés. Quand ils ont mangé les fruits, lorsqu'ils étaient tout nés là, le Seigneur n'était pas venu les chercher. Mais vous allez voir, remarquer ici, lorsqu'ils ont confectionné les vêtements après avoir couvert leur nudité par les feuilles de figuier, c'est à ce moment-là, si vous lisez le texte, la voix du Seigneur maintenant va se faire entendre dans les jardins pour pouvoir les interpeller. You can notice that it's only when they covered clothes that the voice of the Lord came to them. Les feuilles de figuier, mes bien-aimés, selon les Écritures, mes bien-aimés, indiquent les temps. So the leaves, fig leaves, indiquent quoi exactement, pardon? Indiquent les temps, l'air. Okay. So the fig leaves are explaining the timing. Donc les feuilles de figuier, dans un autre langage sur le plan spirituel, c'est une horloge. So on the spiritual level, this is a clock. Qui indique les temps? Indicating the timing. Parce que quand ils ont touché aux feuilles de figuier, tac, directement la sentence est descendue. Le Seigneur vient maintenant pour pouvoir juger. When they touched the fig leaves, the judgment came to them. Mais avant cela, pendant tout ce temps qu'ils étaient nés, on ne sait pas si cela avait pris combien de temps, parce que pour pouvoir confectionner quand même un vêtement, ça prend quand même le temps. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu n'était pas venu. Mais après avoir confectionné les vêtements, le Seigneur va pouvoir maintenant venir pour pouvoir juger. So after creating these clothes, the Lord came to judge them. Regardez, j'aimerais qu'on lise une écriture. Read the scripture. Nous allons lire Matthieu. Vous allez comprendre que les feuilles des figues indiquent les temps. Lisons Matthieu, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Let's read Matthieu. Matthieu, chapitre 24. Chapter 24. Verset 32. Verse 32. Matthieu 24, verset 32. La Bible dit ceci. Suivez la lecture, mes bien-aimés. Vérifiez aussi chez vous et le sentiment, mes bien-aimés, qu'avaient les Béréens. Donc, vérifions les Écritures ensemble. C'est très important. La Bible dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. La Bible dit... Matthieu 24, 32. Oui, oui. Voilà. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles, vous voyez cela, et que les feuilles poussent, vous comprenez? Vous connaissez que quoi? L'été est proche.
Alléluia. Allez, Now dimanche. learn the parable from the fig tree. When its branch becomes tender and puts forth leaves, you know that summer is near. C'est-à-dire, ici, les feuilles de figuier, c'est-à-dire la présence des feuilles de figuier est en train d'indiquer un temps. So this means fig leaves are indicating a timing. C'est-à-dire, quand vous allez voir la présence des feuilles de figuier, vous voyez que les figuiers commencent, c'est-à-dire, ces branches commencent à pousser, c'est-à-dire, les feuilles commencent à être poussées, les feuilles commencent à être sorties. Ah, quand vous allez voir, vous regardez, vous dites, oh, l'été est proche. So, checking this, you will realize that the summer is close. Donc, ici, il faut comprendre qu'il y a un temps où les feuilles de figuier est en train d'être poussées, mais ce n'est pas encore l'été. Le temps là, mais bien, comme nous sommes ici en Europe, on appelle ça quel temps? C'est le printemps. You will be able to notice that the fig branches are growing, so most likely like in. Donc c'est une saison de pluie. So it's a season of rain. Or le printemps, mes bien-aimés, comme saison de la pluie, c'est la dispense, toute une dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. So this is in the Revelation. This is explaining the grace. Cette dispensation, c'est celle que nous vivons maintenant. C'est le printemps. C'est la dispensation de la grâce où il y a la pluie. Or, la pluie n'est rien d'autre que la présence de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. So, springtime is explaining the grace of the Lord. Selon quelle écriture? Explaining the presence of the Spirit. Selon quelle écriture? Selon Joël chapitre 2. Vous lisez à partir du verset 25, vous descendez. Vous allez voir, ça c'est écrit là-bas. According to Joel chapter 2. Quel verset, pardon? Joel chapitre 2, verset 25, vous descendez. From verse 25. Ça parle de l'Esprit, la dispensation du Saint-Esprit. This is explaining the Holy Spirit. Donc, c'est le temps où l'effet des figuiers, c'est-à-dire le figuier est entré de pousser maintenant ses feuilles. L'effet est en train d'être poussé. L'effet est en train d'être sorti. When leaves are growing. Donc, tant qu'on ne voit pas encore les feuilles, ah, c'est que l'été n'est pas encore proche. If we are not able to see the leaves, this means the summer is not close to us. C'est-à-dire pour que nous comprenions que l'été est proche, notre horloge, c'est quoi? C'est les figues. Nous sommes en train d'observer les figues. On regarde. Quand on voit seulement les feuilles commencent à être poussées, ah, l'été est proche. C'est une horloge. So this is a clock explaining seasons and giving all this type of details. Que nous dit la Bible par rapport à l'été? What is the Bible saying related to summer? L'été explique quoi, mes bien-aimés, selon la parole de Dieu? What is the summer explaining in the word of God? L'été déjà, selon la nature, selon le monde, mes bien-aimés, c'est le temps de la chaleur. The summer is the time of heat in this world. C'est le temps où, mes bien-aimés, il y a pleinement la présence du soleil. This is the time where the sun is almost always present. Donc, c'est le temps de la chaleur. This is the time of heat. On voit souvent le soleil manifester sa colère. We often see the sun in his power. Le temps de la chaleur, le temps où le soleil manifeste sa colère, mes bien-aimés, dans la Bible, mes bien-aimés, ce temps-là explique des choses. So, when we can see the anger of the sun, this is explaining two things in the Bible.
Ce temps-là explique premièrement, mes bien-aimés, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ici, l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est-à-dire dans la vie d'Abraham. Je vais vous expliquer quelque chose là. Souffrez un peu, mais je vais vous expliquer, je vais rendre ça très simple. Nous allons comprendre. L'accomplissement de la parole, de la promesse de Dieu dans la vie d'Abraham. This is explaining the time of the accomplishment of the promises of God in Abraham's life. Ça, c'est la première explication par rapport au temps de la chaleur. This is the first explanation relating to the time of the heat. Et la deuxième explication par rapport au temps de la chaleur ou au temps de l'été explique le temps du jugement. And the second one is explaining the time of judgment. J'aimerais que vous compreniez quelque chose. Vous savez, quand Dieu, si vous prenez cette écriture, lisez ça tous les chapitres. Lisez chapitre Genèse chapitre 18 et lisez Genèse chapitre 19. If you read Genesis chapter 18 and 19, you will understand this. Vous allez voir que le Seigneur, pour pouvoir accomplir sa promesse dans la vie d'Abraham par rapport pour la naissance d'Isaac, vous allez voir que le Seigneur avait visité Abraham, mes bien-aimés, pendant le temps de la chaleur. You will notice that the Lord visited Abraham during the summertime. Genèse 18, je vous ai donné l'écriture. Lisez à partir du premier verset, vous allez voir ça. In order to bring his promise. Donc nous comprenons que le temps auquel Dieu était venu pour accomplir sa promesse dans la vie d'Abraham, c'est ça l'été. So, accomplishment of this promise during the summer also. C'était le temps où Dieu était venu pour pouvoir faire quoi? Pour que Sarah puisse recevoir la semence. C'était pendant l'été, le temps de la chaleur. It was the time Sarah received the seed, so during the heat time. Donc Sarah va recevoir la semence pendant l'été, mais elle ne va pas donner naissance en été. Elle va donner la naissance, mes bien-aimés, plutôt elle va donner naissance, mes bien-aimés, pendant un temps. Ça sera toujours en été, mais pendant un temps. Je vais vous expliquer ce temps-là. C'est toujours en été, mais vers la fin. Sarah gave birth during summer, but at a particular time, at almost the end. Pendant cette saison d'été-là, le Seigneur aussi va apporter le jugement contre la ville de Sodome et Gomorre. During summer time, the Lord also brought the judgment against Sodom and Gomorrah. Je vous ai donné l'écriture Genèse 19. This is in Genesis chapter 19. Après avoir accompli sa promesse dans la vie d'Abraham, si vous lisez les textes, il va quitter Abraham et il va maintenant directement aller pour pouvoir juger Sodom et Gomorrah. That's why he left Abraham in order to judge Sodom and Gomorrah. Et l'Éternel était descendu, mes bien-aimés, pendant l'été. And the Lord came down during summer. Le texte dit en plein chaleur. Text is saying in the heat time. Or ce qui nous dit que l'été approche, c'est le feuille de figuier. And the fig leaves are explaining that the summer is coming. Nous comprenons que le feuille de figuier qui nous indique l'été, mes bien-aimés, cela nous parle d'une promesse et cela nous parle aussi du jugement. This is explaining a promise and also a judgment. Voilà pourquoi vous allez voir que Adam, après avoir coussi le fait des figuiers pour pouvoir protéger leur nudité, vous allez voir que Dieu était venu, mes bien-aimés, il avait libéré des paroles. That's why Adam gave two words to Adam. Le Seigneur, il avait parlé de la fécondité de la femme, c'est-à-dire la femme mettra au monde, il a parlé, et puis il a jugé. So, God gave the word of fecundity for Eve and also judged them. Donc, vous comprenez que, mes bien-aimés, les feuilles de figuier nous indiquent le temps.
those fig leaves are giving us the timing. Alors, ce temps-là, mes bien-aimés, prophétiquement, c'est quel est temps? On the prophetical level, what time is it? Ce n'est pas le temps auquel nous vivons, non. It is not the present time. Le temps où, mes bien-aimés, le Seigneur interviendra à l'été, c'est-à-dire, quand on voit l'été, quand on voit la chaleur, le temps où le Seigneur viendra accomplir une promesse et pour pouvoir juger, ça sera le temps auquel l'Église partira déjà au ciel. This is the time when the rapture of the church will happen. Ça sera le temps d'Israël. It will be Israel's time. Je vais vous expliquer ce mouvement dans la vie d'Abraham toujours et Sarah. I will explain you now in Abraham and Sarah's life. Dieu est venu dans la vie d'Abraham, il a accompli sa promesse pour que Sarah puisse concevoir. God accomplished his promise in order Sarah could give birth. Et puis pour pouvoir aller juger Sodome et Gomorrhe. And to judge Sodom and Gomorrah. Mais vous allez voir que il y avait un temps où Sarah était stérile. But you will notice that there was a time Sarah was not able to give birth. Donc Sarah, dans un autre langage, c'est aussi un fig. And un figuier plutôt. Sarah, in another language, is also a fig tree. Le temps auquel Sarah ne met pas au monde, le temps-là, c'est le temps de la stérilité. Le temps-là, on peut appeler ça l'hiver. C'est le temps où il n'y a plus de feuilles sur le figuier. So this time is when there is sterility. So this is the time where there is no leaves on the fig tree. Le temps auquel figuier est maudit. This is the time during which the fig tree is under malediction. Donc même si vous faites quoi, vous creusez tout autour de ces figuiers pour mettre du fumier, le figuier là ne produira pas parce que c'est un figuier qui est maudit pendant un temps. Whatever you do, you will not be able to get some fruit during this particular time. Abraham avait fait tout avec sa femme, la femme ne conserverait pas. Adam and Eve tried to get babies, but they were not able. Le temps là, c'est le temps auquel l'Israël est en train de traverser au moment où nous sommes en train de parler. This is Israel's time nowadays. C'est-à-dire la stérilité de Sarah, c'est toute une dispensation dans la Bible qu'on appelle la dispensation de Moïse. This is dispensation of Moses. C'est-à-dire, l'homme peut donner la semence à la femme, mais la femme est incapable de concevoir. This is the time when the man is giving the seed to the woman, but the woman is not able to give birth. Malgré la parole, la loi que Dieu avait donnée à l'Israël, l'Israël comme une femme, comme étant l'épouse du Seigneur, l'Israël était incapable de pouvoir concevoir. C'est-à-dire, cette semence-là ne produirait rien. L'Israël était toujours restée une femme stérile. So despite the word of God seeded, Israel was not able to receive and was remaining in sterility. Parce que vous devez comprendre que Sarah, selon l'apôtre Paul, représente aussi la Jérusalem. Because you have to understand that Sarah, according to Paul Apostle, is representing Jérusalem. Selon Galates chapitre 4. According to Galatians chapter 4. Si vous lisez à partir du verset 22, vous descendez, vous allez voir la Sarah est comparée à la Jérusalem. Starting verse 22, Sarah is compared to Jerusalem. Sarah, selon cette écriture, explique Jérusalem. Elle explique Jérusalem d'abord comme l'église parce qu'elle est Jérusalem d'en haut, mais elle explique aussi Jérusalem comme l'Israël. Pas l'Israël terrestre, mais l'Israël que le Seigneur viendra racheter après l'enlèvement de l'Église. And Sarah is also explaining Israel that will be taken by the Lord
a part of Israel during the rapture. C'est après hein, l'enlèvement de l'Église, c'est ça? Après l'enlèvement de l'Église. After the rapture of the church. Mais au moment où nous sommes en train de parler, l'Israël comme étant Saraï, pas Sarah, mais Saraï, elle est stérile. But Sarai is in sterility. Mais il y a un temps où le Seigneur viendra, parce que l'Israël est encore sous le coup de la malédiction. Pourquoi? Parce que elle n'avait pas accepté Christ. Elle n'avait pas accepté la parole de Dieu. Si vous regardez l'histoire des enfants d'Israël, ils n'ont pas obéi à la loi de Moïse. Tout ce que Dieu avait donné, l'Israël ne marchait pas conformément aux lois de Dieu. Voilà pourquoi ce peuple était sous le coup de la malédiction. La loi était comme une malédiction. Galates, je crois, chapitre 3. That's when Israel is under malediction, is not following the word of God. In Galatians chapter 3, this is mentioned. Mais si vous regardez, par exemple, regardez un texte, je vais vous montrer quelque chose, hein. Regardez ce mouvement. Marc chapitre 11, verset 12, je suis dans la révélation, mais je vais descendre. C'est important que nous grandissions quand même, c'est important, je vais descendre. Regardez Marc chapitre 11, verset 12. La Bible dit, lisons le verset 12. On va lire jusqu'au verset 20, hein, rapidement. Et puis, on va lire deux versets rapidement. Nous sommes dans l'enseignement, c'est important de lire. Désolé, je vais mettre la charge. C'est important de pouvoir toucher un peu quelques portions révélationnelles. C'est très important pour que nous grandissions. Voilà. Je lis les versets 12. On va aller deux versets, mon bien-aimé Cyril. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles. Vous voyez cela? Qui avait de feuilles? Il alla voir s'il y trouverait quelque chose et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Voilà. So let's read Mark chapter 11, verse 12. The next day, when they had left Bethany, he became angry, seeing from a distance a fig tree in leaf. He went to see if he would find any fruit on it. When he came up to it, he found nothing except leaves, because it wasn't the season for figs. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entre. Bon, on saute le verset 14, lis le verset 14 et puis on va lire le verset 18, on va sauter pour gagner du temps. And he said to it, may no one ever eat fruit from you again, and his disciples were listening. Lisons les versets 19 et 20. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville, c'est-à-dire il était entré à Jérusalem et puis il est sorti. Sorti de la ville, il sort à quel temps? Le soir, soulignez cela. Verset 20, le matin. Donc ici, on nous parle, mais bien aimé, ça c'est un capital, hein? Vous veillez vraiment à cela. Le matin, en passant les disciples vers les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, lis les deux versets, puis on va lire le verset 21. S'il te plaît, mon frère. Verse 19, whenever evening came, Jesus and his disciples would leave the city. As they were passing by in the morning, they saw the fig tree shriveled from the roots. Verset 21. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit Jésus, Rabbi, regarde les figues que tu as maudit, c'est asséché. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you cursed has shriveled up. Il n'a vu que le feuille, et c'est ça ce qui a poussé Jésus à pouvoir faire quoi? Maudire les figues. He saw only leaves on this fig tree, that's why he cursed it. Le figuier était incapable de pouvoir donner au Seigneur le fruit.
So the fig tree was not able to give fruit to the Lord. La Bible dit que ce n'était pas sa saison, la saison du figuier. Bible is saying it was not the season of the fig tree. C'est-à-dire, pendant la stérilité de Sarah comme Jérusalem, vous demandez à Sarah, donnez-nous un enfant, donnez-nous un enfant. Sarah est incapable de pouvoir donner parce que la saison que Dieu a préparée pour que Sarah puisse concevoir, cette saison-là n'est pas encore arrivée. So that's why we can say the same for Sarah. To give birth, this was not the season yet. Parce que le figuier ici représente un peuple que nous expliquons l'Israël. Fig tree is representing here a whole people called Israel. Parce qu'au moment où nous sommes dans tous les pays, si vous allez à l'Israël, vous êtes allé là-bas pour leur dire que produisez le fruit. L'Israël, donnez-nous des fruits. L'Israël n'est pas capable de produire les fruits au moment parce qu'il y a un temps où l'Israël va produire les fruits ou va être ensemencé pour pouvoir dégager maintenant les fruits. There is a time for Israel to provide fruits. This is not yet. Et à cause de cela, comme elle ne produit pas, elle est sous la malédiction. That's why, due to this reason, she is under malediction. La malédiction de l'Israël est liée par rapport à la loi de Moïse. Israel's malediction is linked to Moses' law. Parce qu'il y a une écriture, je crois, dans Galates 3, la Bible dit, le Seigneur nous a rachetés de la malédiction de la loi. There is a scripture written in Galatians chapter 3 saying that c'est quoi pardon la phrase? Le Seigneur nous a racheté de la malédiction de la loi. The Lord rebuy us from the malediction of the law. Pour nous qui sommes détachés de la loi, mais l'Israël, il est toujours sous la loi, il continue toujours à lire la Torah, il est toujours emprisonné dans la loi, donc il est sous la malédiction. Israel is still under law, that's why it's still under malediction. Voilà pourquoi il est comme un figuier séché. Elle est comme une figuier séché plutôt. That's why Israel is like a shriveled fig tree. Mais il y a une saison où ce figuier-là produira encore les fruits. But there will be a season during which one the fig tree will produce fruit again. Donc l'Israël, dans un autre langage, elle est comme Sarah que nous expliquons Jérusalem. So Israel is like Sarah, what we called Jerusalem. Un jour, cette stérilité partira. One day this sterility will go away. Il y a un temps où l'homme va ensemencer sa femme et la femme maintenant mettra au monde. There is a time when the man will give the seed to the woman and the woman will give birth. Maintenant, le temps où Sarah va recevoir la semence, regardez ce mouvement. Dieu est venu dans Genèse 18, il a libéré cette parole. Au moment où Dieu avait libéré cette parole-là, Sarah était déjà tombée enceinte sur le plan spirituel. So when God came to give these words, she was already pregnant on the spiritual level. Parce que c'était au moment de la chaleur. Because it was the time of the heat. C'était en été. It was during summertime. Or, l'été dont nous sommes en train de parler ici, selon la Bible, mes bien-aimés, c'est le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ quand il viendra pour juger les nations que nous expliquons Sodome et Gomorre. Summertime is during the return of our Lord Jesus Christ, and it's also the same when he will come back, when he came to judge Sodome and Gomorrah. Mais avant que le Seigneur ne puisse juger les nations, il y a d'abord des oliviers ou des oints ou des serviteurs de Dieu qui vont précéder le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui viendront uniquement pour pouvoir ensemencer l'Israël afin de sauver un peuple. Prior judging, there will des be serviteurs de Dieu ou des témoins. Two servitors of God, two witness of God in Israel that will prepare a portion of Israel. Donc, ensuite,
ils viendront, mes bien-aimés, pendant le temps de la chaleur que nous expliquons, le temps de jugement, le temps où Dieu, maintenant, va pouvoir juger, en fait, le monde. They will come during it time when God will come to judge the world. Mais le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ sera précédé par les deux témoins. And the return of our Lord Jesus Christ will be just after the coming of these two gods. Ils viendront faire un travail en Israël pour pouvoir sauver ce peuple. Donc ce peuple, c'est à ce moment-là qu'ils vont recevoir la semence. They will work in Israel in order to save these people, and this is the time when these people will receive the seed. C'est ça, Sarah est tombée enceinte. This is when Sarah became pregnant. Donc Dieu était venu, si vous regardez bien les textes, vous allez voir que quand l'Éternel était venu, il a libéré la parole et puis il a quitté, il est parti maintenant juger. Ça sera maintenant le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. And when the Lord will come back, he will come to judge. Il viendra quand pour juger les nations. He will come to judge the nations. Et après cela, il sauvera son peuple. And after that, he will save his people. La naissance d'Isaac, quand Sarah a mis au monde, il a donné naissance à Isaac. Cette naissance-là explique les salis d'Israël. Donc les salis de Sarah. Que j'explique l'Israël. So Isaac's birth will is explaining the salvation of Israel. Prophétiquement par là, c'est ça. Donc quand Sarah a mis au monde cette naissance-là, explique le salut de tout un peuple. When Sarah came gave birth, this is explaining the salvation of one people. Parce que le véritable Isaac, selon la Bible, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Because Isaac in the revelation is our Lord Jesus Christ. Galates chapitre 3 verset 16. It's written in Galatians chapter 3 verse 16. La promesse que Dieu avait fait avec Abraham, cette promesse que Dieu avait faite avec Abraham concernant par rapport à la naissance d'Isaac. En réalité, si vous lisez Galates 3 16, Dieu parlait à un langage allégorique qui parlait du Seigneur Jésus-Christ. God was speaking in an allegorical language about our Lord Jesus Christ. Or, si le véritable Isaac, c'est le Seigneur Jésus-Christ, donc c'est que Sarah, c'est Jérusalem qui explique l'Israël. So this means, if Isaac is our Lord Jesus Christ, this means Sarah is also like Israel. Donc, la naissance d'Isaac, c'est la vie de Sarah. Tu peux répéter, pardon? La naissance d'Isaac, c'est la vie de Sarah. So the birth of Isaac is the life of Sarah. Pourquoi? Parce que le texte dit, si vous lisez les Écritures, la Bible dit, celui qui a les fils a la vie. Because it is written that the one who owns the son has life. Celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. The one who doesn't have the son doesn't have life. 1 Jean chapitre 5 verset 12. It's written in 1 John chapter 5 verse 12. Celui qui a le fils a la vie, ce n'est pas nos fils biologiques, mais les fils dont on parle là-bas, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez ces fils, vous avez la vie. The son mentioned here is the Lord Jesus Christ. If you have him, you have life. Mais maintenant, l'Israël sera ensemencé par les deux témoins. Israel will receive seed thanks to the two servitors of God. Cette semence-là, c'est ça ce qui leur permettra maintenant de pouvoir faire quoi? De pouvoir provoquer le retour du Seigneur Jésus-Christ vers les enfants d'Israël. This seed will provoke the return of Israel to the Lord Jesus Christ. Pour que ce peuple soit sauvé. In order this part of the people to be saved. Et le retour là, il viendra
pendant l'été que nous expliquons les temps de la chaleur ou les temps du jugement. And the return will occur during the summer time, the heat time, the time of judgment. Donc, il vient pour sauver son peuple et puis pour juger les nations. So he is coming to judge his people and the nations. Il y a pas mal de détails par rapport à cette prophétie, mais je vous épargne de certains détails. Mais tout ça, c'était pour vous expliquer que les feuilles des figuiers, mes bien-aimés, indiquent un temps. This is to explain that fig leaves are explaining timing. Voilà pourquoi vous remarquerez que quand Adam a touché seulement aux feuilles des figuiers, parce que nous comprenons que le temps auquel Adam avait touché les feuilles de figuier, c'était aussi l'été. Donc vous comprenez déjà que les feuilles de figuier, quand on voit la présence des feuilles de figuier, c'est le temps de la chaleur. Donc quand il a touché aux feuilles de figuier, ce mouvement-là était prophétique. Du coup, la sentence est descendue. Dieu est venu juger. It was the same for Adam. He touched to the fig tree during summer, taking leaves during the heat time and judge, and God came to judge. Il est venu juger l'homme à cause du péché et puis pour pouvoir aussi accorder une promesse à sa femme de pouvoir mettre sur le monde. So he came for this judgment and also to bring the promise that his wife will give birth. Mais n'oubliez pas que la ceinture explique, comme je vous ai dit aussi, la fidélité. But always remember that the belt is explaining fidelity. Si quelqu'un n'est pas fidèle à Dieu, mes bien-aimés, ne verra jamais le ciel. If someone is not in the fidelity with God, he will not be able to see the heaven. La fidélité implique l'obéissance à la parole de Dieu. Fidelity implies obedience to the word of God. Lisons Ésaïe chapitre 11, verset 5. Je vais m'arrêter dans 5 minutes. Nous allons continuer demain pour expliquer la sainteté comme fidélité. Ésaïe chapitre 11, verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Ésaïe chapitre 11, verset 5e. Okay. Also, righteousness will be the belt around his loins, and faithfulness the belt around his waist. Donc vous voyez ici que la ceinture explique noir sur blanc la fidélité. So the belt is explaining the fidelity. Mais bien aimé, la fidélité, c'est la nature divine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. So fidelity is the nature of our Lord Jesus Christ. Apocalypse 19 ou 11, mais bien aimé, la Bible nous explique que son nom s'appelle aussi fidèle. In Revelation 19, verse 11, it is written that. Donc, la fidélité, c'est sa nature divine. It is called faithful and true, and it judges and makes war in righteousness. C'est pour cela que vous avez vu que Goliath n'avait pas la ceinture. Goliath qui est l'image de Satan, c'est pour tout simplement dire que la ceinture qui est comme fidélité n'est pas la nature de l'ennemi. This is the reason why Goliath was not wearing any belt, and this is the nature of the enemy. Le contraire de la fidélité, c'est l'infidélité. This is the contrary of fidelity. Le diable a été infidèle à Dieu. The devil, voilà pourquoi Dieu l'a précipité sur la terre. With infidelity to our God, that's why God sent him on this earth.
La fidélité implique le respect à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Fidelity implies to obey to the word of God. Une personne qui n'est pas fidèle à Dieu, c'est-à-dire qui n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est un infidèle devant le Seigneur, c'est un infidèle. One person not obeying to the word of God is considered in infidelity. C'est quelqu'un qui n'a même pas la ceinture. This someone who doesn't have the belt. Et le ciel n'est pas pour les infidèles. And heaven is not for infidelity. Alors je m'arrête ici. Demain on va continuer, on va creuser sur la fidélité, expliquer la ceinture comme fidélité. On va creuser demain, vraiment entrer dans la profondeur. Donc pour aujourd'hui on s'arrête là, mais demain on touchera directement sur la ceinture. Je crois que ça sera notre dernier point sur la ceinture. Donc la semaine d'après, par la grâce de Dieu, on touchera d'autres choses. So it will be the last key point tomorrow. Donc demain, c'est à 22h, heure de France, heure d'Afrique, que nous commençons notre programme. Donc soyez encore là, mes bien-aimés, soyez fidèles à ce programme, parce que c'est pour vous que nous sommes là. Tomorrow it will be at 10 o'clock. Vraiment, c'est important, mes bien-aimés. Ici, nous sommes en train de creuser. Peut-être dans nos assemblées, on n'a pas le temps, peut-être pour pouvoir entrer dans la profondeur, vu le temps est imparti. Mais quand nous avons le temps comme ça, mes bien-aimés, profitons de ce temps, on partage. Si vous avez aussi des questions relatives à ce que nous sommes en train de partager, n'hésitez pas. Moi, je reçois toutes les questions, donc n'hésitez pas. Donc, de pouvoir m'envoyer un voice, écrire un texto, donc par la mesure de grâce que le Seigneur nous a accordée, on va vous répondre. So you can also send your questions with messages and we will answer. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là, nous allons prier. We will stop here and pray. Peut-être le Seigneur vous a parlé au travers de cet enseignement. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir, mes bien-aimés, garder toujours nos ceintures. Let's pray the Lord that we always keep our belt. Nous avons expliqué la ceinture dans toutes les dimensions, mes bien-aimés, selon les Écritures. We explain the belt in many levels according to the Scriptures. Je sais que le Seigneur t'a parlé d'une manière ou d'une autre. I know the Lord spoke to you in a way or in another one. La ceinture comme fidélité demande à Dieu que tu sois fidèle à lui, mes bien-aimés, si le Seigneur tarde à venir jusqu'à ta mort. Ask God to remain in fidelity until his return. Même dans un couple, l'homme qui est infidèle ou la femme qui est infidèle à son conjoint, mes bien-aimés, ce couple-là ne demeurera pas. When a woman is not in fidelity in a couple, this couple will not remain in the long term. Jésus-Christ est notre cher époux. Jesus Christ is our husband. Nous devons être fidèles à lui. We have to remain in fidelity. Et cette fidélité implique le respect de sa parole ou l'obéissance à sa parole. And this implies to obey to his word. Prions le Seigneur que nous soyons fidèles à lui et prions de pouvoir garder toujours la ceinture afin de pouvoir être protégés contre les esprits impurs. Prions au nom de Jésus. Let's pray in this